Bonjour, bonjour à tous, c'est la GPL, j'espère que tout très très bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur du Monster Lab, comme d'habitude ça n'a pas changé. Donc, on devait aller à la première île. Ok. Donc, il fallait aider le baron, le maire de Neven machin, bref, machin chose. Enfin, le maire de. Le maire à Montbidouille, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et dans le précédent épisode, on avait, mine de rien, notre monstre qui était vachement devenu puissant. Donc voilà, pourquoi pas. Donc, on va aller battre les monstres. Normalement, ça devrait poser aucun problème avec notre équipement. Donc, parler. Brusquement sont apparus des monstres. Il faut faire quelque chose, sinon nous sommes fichus et ma réélection aussi. Bien sûr, on va t'aider. Il faut éliminer les 5 monstres. D'accord, on va les éliminer, on va les éliminer. Et j'espère que, je pense qu'on fera ça pendant tout l'épisode, je pense. Je pense que on s'occupera des 5 mondes de mon bidou, voilà. Donc. Renvoi putride. Il faut que je vous signale quand même un truc qui, mine de rien, ne se voit pas, mais qui peut se voir en combat. J'ai changé mon torse. J'ai gagné 17 points de vie sur mon torse. Donc ce n'est pas à négliger quand même. J'ai gagné quand même des points de vie. Du coup là je suis pas à 463 points de vie, mais à 480 points de vie. Donc normalement ça devrait faire l'affaire très facilement. Allez, une petite va faire un coup de boule encore une fois. Ouais. On fait coup de boule sur coup de boule. Et voilà, le mec n'existe plus. Il n'existe plus, il a été décédé. Sinon, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Parce que moi, j'ai plutôt bien. Je tourne les épisodes à l'avance pour que je m'avance pour un projet qui je pense va vous aimer. Donc voilà, on a battu un monstre, hein. Il nous manque encore 4. Et lui quand même qui a des points de vie qui est assez haut. Haute, 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 haute. Donc, on va faire renvoi putride. Voilà, on va niquer ses membres. Ça l'a mis cher, ça l'a mis cher, ça l'a mis cher, on est d'accord. Parce que là, on est tous d'accord. On va refaire esquiver. Malheureusement, ça n'a pas esquivé. Donc là, on va faire encore recharger. Parce que le mec allait faire recharger ou esquiver. Je fais tout en ça pour éviter de gâcher des points de vie. Des points d'énergie plutôt. Ok. Là, c'était cher. Là, ça a mis très, 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 très cher. Donc là, on va. Pourquoi pas. En fait, on va en faire charger. Hein. On n'a pas de truc possible. Encore esquiver. Esquiver, nickel chrome, nickel chrome. J'ai Peter, tu as géré. Du coup. Renvoi putride. Nickel chrome. Mon bras était brisé. C'est pas bien du tout. Mais c'est pas super grave parce que là. Et voilà, le mec n'existe plus, il n'a plus de membres, il a été décédé.
Sinon, j'espère que la petite vidéo sur Geometry Dash vous aura plu. Parce que Geometry Dash, c'est quand même un jeu que j'aime. Sur le jeu mobile, c'était un jeu qui est assez connu, que tout le monde a connu grâce à la personne que vous avez tous. Je dirais pas son nom pour pas faire fan de machin. Mais voilà, on sait tous comment on a connu Geometry Dash. Et en fait, c'est un jeu que j'y joue depuis bien longtemps, et bon, en fait, là, j'ai dû recommencer la partie pour recommencer. En fait, ça, pour tout vous dire, en fait, j'ai terminé tous les niveaux 4 fois. Voilà, donc c'est plutôt bien. Là, ça fait la quatrième fois que je recommence, du coup. Mais normalement, ça devrait pas trop poser de soucis, vu que je connais le jeu facilement. Normalement, ça devrait pas poser trop de soucis. Ce n'est pas super grave. Il a brisé mon bras droit, mais il faut dire aussi, il n'avait pas beaucoup de vie. C'était dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, les vidéos sur Geometry Dash, ce sera un peu en mode lambda. Dès que j'aurai fini un niveau, je vous montrerai une petite partie. Bien sûr, je ne parle pas parce que c'est pas très intéressant de parler sur un jeu comme ceci. Mais voilà, n'hésitez pas à envoyer vos niveaux si vous voulez que je les teste, tout simplement. Comme à la mode de Zelda Wind Waker, non, pas Zelda, Mario Maker, excusez-moi. Voilà, c'est Mario Maker que je voulais dire. Vous pouvez aussi vous envoyer, c'est bien, plutôt pas mal. Donc c'est sur une pièce avec le stick directionnel. On va recharger. On va pouvoir réparer notre bras droit enfin. On va pouvoir enfin réparer mon autre bras droit. Nickel Chrome. Où sont les monstres? Bah il y en a un là, Nickel Chrome, déjà. Voilà. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Donc, on va putride. On va l'affaiblir entièrement pour pouvoir après. Ah ouais, ça fait beaucoup de dégâts quand même. Ça fait énormément de dégâts. On va recharger. Et là, on va refaire coup de boule. Voilà. À un moment là, il devrait mourir. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais c'est la tête qui a pris. Donc, esquiver, coup de boule, et voilà, le corps n'existe plus. Il n'existe plus. C'est la vie. Le Belsi, il est mort. Et oui, il est parti en enfer. On va recharger, même si y a pas grand-chose à recharger, mais on va recharger quand même, hein, pour plus de facilité, pour plus de simplicité, pour que ce soit plus facile, en cas où si on galère, en cas où. C'est bien au cas où. Voilà, Nickel Chrome. Donc, où est le dernier monstre? Bah, il est là, le dernier monstre. Voilà. C'est le dernier monstre, et après, on va sûrement s'arrêter là. Hein. Et Ribna, d'accord. Il a le torse que j'avais avant. Donc il doit être assez résistant quand même. Ouais. Non, pas trop en fait. Pas trop. Coup de boule. Voilà. On va recharger.
On va faire recharger, on va faire. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Franchement, le plus intéressant là, franchement, c'est recharger. Donc, coup de boule. Voilà, le torse est rouge. Il a été, il va bientôt mourir. Il va bientôt décéder. Oui, tu peux virer mon bras, ce n'est pas super grave. Ah, il a raté. Il a raté, bordel. Changement de plan. Bon. Changement de plan. On va recharger. On va recharger. On va. Coup de boule. Il a esquivé, bordel à cul. On va refaire coup de boule. Et voilà, le monde n'existe plus. Bon, n'existe plus, on a un peu galéré à la fin, hein, parce que le mec était dissident. Hein. Continuer, on va pouvoir réparer enfin ce monstre à la noix. Donc voilà, on va le réparer. Et c'est ici que l'épisode va se terminer. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter si vous avez des informations à dire. Et bah, on se retrouve pour l'épisode 18. C'est-à-dire demain pour battre le boss, sûrement. Pour le boss, voilà, c'est ça, c'est un petit boss à battre. Donc rendez-vous demain pour battre le boss. Allez, bye bye.